Welcome to the Directors Guild of America. Welcome to the 13th opening night of City of Lights, City of Angels, Kolkoa, a week of French film premiere in Hollywood, presented by the Franco-American Cultural Fund, a partnership between the DGA, the APA, the WGA West, and l'ASSEN. My name is François Truffard, I'm the director and programmer, and I'm very proud to be here tonight with you for the international premiere of Someone I Love. As a national board member of the Directors Guild and a board member of the Franco-American Cultural Fund, it is my truly great pleasure to welcome you to Los Angeles, and especially our friends from France, to the Directors Guild of America for the 13th annual City of Lights, City of Angels Film Festival. At this time of the night, your main concern is how long will be that speech. So I make it short, just to say how proud we are at the French Consulate to be part of Kolkoa, which is really a great success, what a path 13 years ago. And just a few words to say that we had the feeling that 2008 was again a good year for French movies in the US. It's a very special night because the film hasn't been released yet in France, so very few people have seen it, and I hope many more are going to do so. Well, thank you everybody, and no, I didn't make my dress out of a curtain, which is good. Thank you. Je dirige le bureau du film de l'ambassade de France, qui est ici au consulat général de France de Los Angeles. Et évidemment, depuis le début de Kolkoa, on est derrière Kolkoa, partenaire. On les aide à préparer cette soirée d'ouverture, mais également à communiquer auprès des événements de Kolkoa, des films, auprès de la communauté francophile et francophone de Los Angeles. L'ASSEM intervient aux côtés de la Directors Guild of America, de la Writers Guild of America, de la Motion Picture Association of America, pour financer cette opération, puisque nous avons créé ce fonds en commun. Donc c'est la plus grosse opération que nous soutenons. Nous soutenons également une université d'été en France, près de La Rochelle, à Rochefort, ainsi que d'autres opérations qui permettent à de jeunes scénaristes ou réalisateurs français d'être en contact avec réalisateurs ou des scénaristes français et américains réputés. Donc c'est en termes de formation, de soutien à la création, une action tout à fait formidable. C'est un festival qui est devenu de plus en plus important ici pour une raison très simple, c'est que depuis 12 ans ou 13 ans que le festival existe, je ne sais plus, ils ont présenté des films de plus en plus intéressants, ils ont réussi à trouver un public, ils ont fait des choses vraiment vraiment bien autour du cinéma français à Los Angeles. Et de fait, les gens sont de plus en plus curieux, ils ont envie de découvrir les nouveaux films, les nouvelles personnalités, les nouvelles tendances du cinéma français. Donc ils viennent cette semaine à Kolkoa. Il y a de tout, hein. Il y a à la fois des expatriés, il y a à la fois des Français, beaucoup d'Américains, beaucoup de gens de cinéma, beaucoup de gens de studio. Et pour nous, journalistes, c'est très intéressant parce que ça permet à la fois d'avoir la raison pour laquelle les Français sont ici, ils ont envie de présenter leurs films à un public américain. Et on a aussi le contre-champ, c'est-à-dire les Américains, qu'est-ce qu'ils cherchent dans le cinéma français aujourd'hui. Ce festival, d'année en année, s'améliore, crée une convivialité, a une image extraordinaire, je pense aussi bien ici d'ailleurs vis-à-vis de nos partenaires américains qu'en France. Il y a une vraie montée en puissance qui a atteint quasiment son sommet il y a 2 ans avec la présentation de la MOM, de Ma vie en rose comme ils disent ici, avec la présence de Marion Cotillard. C'est la première américaine, on sait après ce qui est devenu le film, et depuis c'est resté au sommet, c'est vraiment devenu un événement important. Moi, ça fait 5 ans que je travaille ici au consulat, et en 5 ans, le festival a grandi, pas seulement en termes de place, de public, mais aussi en termes de réputation. C'est clairement un des rares festivals étrangers à avoir sa place à Hollywood ici. Une place reconnue par les professionnels de Hollywood, puisque je vous le rappelle, il est produit par le Fonds culturel franco-américain. Et nous sommes ici ce soir à la DGA, qui est évidemment l'une des institutions les plus célèbres des États-Unis dans le secteur du cinéma.